bienvenue sur Bloc Être Bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique de respiration qui s'appelle Kapalabhati, respiration du feu. Donc, je vais vous expliquer comment la pratiquer. Je vais vous expliquer également les différents conseils pour une tenue confortable, la position assise entre autres. On va commencer par les contre-indications. Évitez, quand on est pour les femmes en période de règles, période de cycle menstruel, toujours pour les femmes à éviter quand on est enceinte. Scientifiquement, il n'y a pas vraiment de fait établi de relation entre la pratique et le fait que c'est néfaste durant les cycles menstruels. Je connais des femmes qui pratiquent, qui ont pratiqué, qui n'ont pas eu de problème, du moins dans leur ressenti. Mais rien ne prouve qu'il n'y a pas eu de problème en intérieur qu'elles n'ont pas ressenti ou l'inverse. Juste mesure de précaution. Moi, je suis juste là pour vous expliquer que j'ai entendu des contre-indications, mais que la science n'a pas déterminé avec fiabilité si, oui ou non, il y avait un réel impact. Donc, en fait, c'est à vous de déterminer pour vous, parlez-en éventuellement avec votre médecin, parlez-en éventuellement à des profs de yoga, à différentes personnes qui pratiquent, pour recueillir un certain nombre d'avis. Voilà, je ne peux pas dire plus. Maintenant, rendez-vous dans la vidéo de pratique pour ceux qui veulent pratiquer dès maintenant. Pour les autres, rendez-vous pour la prochaine vidéo, ce sera Anuloma Viloma, la respiration alternée. Mais on n'en parle pas aujourd'hui, je vous ai juste donné le nom. Rendez-vous la prochaine vidéo pour cette respiration-là. Au revoir tout le monde, à la prochaine vidéo.